Webinaire sur les soft skills. Vous êtes nombreux à y participer. On voit tout l'intérêt de cette thématique. Donc, les soft skills, eh bien, de quoi s'agit-il? À l'opposé des hard skills, on va tout vous expliquer avec nos deux intervenants, Monsieur Hervé Chaumienne, qui est directeur adjoint en charge des formations de l'ISM IAE de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et co-responsable du Master Management Stratégique et Changement, ainsi que Madame Philomène Jodot-Letiès, qui est responsable pédagogique chez Excellence Formation. D'ailleurs, il y a une petite inversion de lettres, c'est pas grave. Côté pratique, donc on vous invite à participer dans le chat. Vous avez un onglet questions aussi où vous pouvez les identifier. Ça nous permet de mieux les repérer et de les poser à nos intervenants. Vous pourrez télécharger le support qui sera voilà, visible et vous pourrez aussi revoir ce webinaire dans le cadre du replay qui va être mis à votre disposition d'ici quelques heures en ligne dans le programme. Voilà, eh bien écoutez, je vais laisser la parole à Monsieur Chaumienne. Voilà, c'est à vous. Et ce que je vous propose, c'est que nous traitions donc les questions, comme nos interventions sont en deux temps, à la fin de chaque temps. Hein. Très bien, Donc ça, faisons comme ça. c'est plus simple. Alors, vous voyez, on va voir que dans ce qu'on appelle compétences transversales ou soft skills ou compétences comportementales, il y a des noms un peu variés, mais qui recoupent à peu près la même chose. Et la capacité d'adaptation. Hein. Donc, avant le début de cette présentation, on a échoué à ce que le mode plein écran, pour une raison technique qui nous a échappé, puisse pleinement être partagé. Donc, du coup, on s'adapte en faisant un mode pas tout à fait plein écran, mais presque. Hein. Et donc, je vous prie de m'excuser justement pour cette première faillite par rapport à justement la capacité à passer pleinement plein écran. Enfin, normalement, en tout cas, tout ça ne devra pas être dégradé. Alors, donc, comme l'a signalé l'organisatrice, je suis maître de conférence, alors spécialisé en management et accompagnement du changement dans le champ public, mais aussi privé, mais essentiellement public en l'occurrence au regard de mes terrains de recherche. Et je suis donc sur le territoire de Saint-Quentin, au sein de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, dans ce qu'on appelle sa composante, son institut spécialisé en management, membre du réseau des IAE, qui sont 36 instituts universitaires de management répartis sur toute la France. Voilà. Donc, nous avons une offre de formation tout à fait classique en licence, master, doctorat, en gestion management au sens large. Et surtout, nous sommes spécialisés plutôt sur des métiers qui ne sont pas des métiers d'expertise ou de spécialité fonctionnelle. Par exemple, nous n'avons pas de master en comptabilité finance, nous n'avons pas de master en marketing. Par contre, nous avons un master en gestion des ressources humaines, où la question des compétences, évidemment, est un peu centrale. Et des masters dans des domaines qu'on qualifie souvent de transversaux, hein, qualité, relations clients, achats, management de projet, accompagnement du changement, master plutôt généraliste, etc., etc. Toutes ces formations étant accessibles, bien évidemment, pour des étudiants classiques, des étudiants en apprentissage, mais aussi des personnes de tous âges en reprise d'études, et des personnes aussi qui veulent valoriser, et c'est un point important par rapport aux compétences, une expérience professionnelle à travers une démarche de validation des acquis de l'expérience, où il s'agit justement de reconstituer de façon un peu analytique une carrière et de mettre en rapport des compétences qu'on a développées tout au long de la vie dans ces postes en entreprise avec un référentiel qui est composé et décliné en compétences, justement, compétences métiers et compétences transversales. C'est un peu de cette position-là, hein, que je vous parle. Alors, il y a de très, très nombreuses définitions, hein, sur la question des soft skills qui n'ont pas vraiment d'intérêt, ce terme, à être traduit en français, compétences douces. Bon, elles sont des compétences, en tout cas, on pourrait qualifier aussi de plus subjectives, hein, que des compétences d'expertise technique, où on peut effectivement tester de façon un peu systématique, certifier de façon un peu systématique des niveaux de maîtrise, par exemple, ce nombre de techniques, d'outils, de domaines tout à fait cernables, alors que dans le domaine dit des soft skills, eh bien, on est dans quelque chose qui relève plus de capacités, d'aptitudes, donc en situation, hein, souvent, et qui sont le reflet d'une expérience vécue, sur laquelle on a capitalisé de nouvelles, comme disent les Québécois, habilités à agir.
Donc, un autre terme que vous retrouvez, c'est compétences transversales, puisqu'on les retrouve finalement dans tous les métiers, dans tous les domaines. Même quand vous êtes sur une fonction d'expertise ou parfois des fonctions très opérationnelles, vous avez effectivement les activités que vous devez réaliser, les outils, méthodes, modes opératoires que vous devez aussi maîtriser. Mais dans ce contexte-là, vous êtes souvent à interagir avec des collègues, une hiérarchie, éventuellement des collaborateurs si vous êtes en responsabilité, des clients ou usagers, enfin bref, tout un tas d'autres personnes qui sont dans votre environnement professionnel, et on va le voir que c'est beaucoup ces capacités, mais pas que, relationnelles qui rentrent en ligne de compte, même si ça n'épuise pas totalement le sujet, comme je vais vous le dire dans quelques instants. Alors, une autre définition, et donc à chaque fois, hein, vous avez les liens et les références, donc un site JobReady qui est vraiment spécialisé dans ce domaine sur lequel je reviendrai à un moment donné, et puis un livre blanc, il y a plusieurs livres blancs donc sur ce sujet-là, et un que je trouve très accessible et récent, hein, qui définit les soft skills comme finalement tout ce qui n'est pas du domaine du savoir-faire et qui touche plutôt les comportements. Voilà. On parle souvent aussi de compétences comportementales, ce qui pose le problème parfois d'une assez grande subjectivité dans leur appréciation manifeste. Et on retrouve les compétences comportementales de plus en plus aussi dans les évaluations, entretiens professionnels ou évaluations individuelles des entreprises. Et bien évidemment, ça suscite des débats, des discussions, puisqu'il est difficile de les objectiver, même s'il n'est pas totalement impossible de le faire. Voilà. Et puis, deuxièmement, ce sont des compétences aussi qui sont en situation, autrement dit, dans un contexte donné. Et ce qui est pertinent pour un contexte donné, un type d'entreprise, un moment particulier, par exemple un conflit, ou un type d'entreprise, l'industrie versus les services, ou une position dans l'entreprise, plus ou moins opérationnelle versus plus ou moins fonctionnelle, eh bien, les fameux soft skills ou compétences transversales requises ne seront pas forcément les mêmes, comme on le verra un peu plus tard avec ma collègue. Alors, je fais un petit zoom, mais très rapide, et vous avez tout le détail sur jobready.fr. Alors, j'ai aucune action chez eux. On avait monté un petit partenariat, justement, pour que nos étudiants intéressés puissent avoir accès à leur service, qui était, au demeurant, ce qui nous concernait, gratuit, en tout cas pour les services de base. Et ils proposent un référentiel des soft skills, divisé en trois grands domaines de compétences, avec ensuite des soft skills très génériques, qui sont ensuite déclinés en éléments plus précis. Ça serait beaucoup trop long de vous les développer. Mais vous voyez ici que vous avez trois grandes familles. Le domaine du social, donc du relationnel, c'est vous et les autres. Ce qui relève de vous, les compétences personnelles, alors vous avez des termes un peu pompeux comme leadership positif, capacité à s'automotiver, capacité à être force de proposition constructive, capacité finalement à savoir aussi comment arriver à remotiver ou parfois motiver les autres, capacité à se situer par rapport à ce qu'on attend de nous et à voir où on en est au regard aussi des activités ou missions qui nous sont données, donc c'est l'auto-évaluation. Puis il y a un point qui est un peu cardinal et qui est un peu le leitmotiv contemporain, c'est la capacité d'adaptation, voire même parfois, quand c'est possible, d'anticipation. Puis les compétences méthodologiques qui s'éloignent un peu finalement des soft skills, mais qui sont connectées, apprendre à apprendre et apprendre de ses expériences. Dans une démarche VAE, c'est beaucoup ce qu'on essaye de tester. Vous pouvez avoir 20 ans d'expérience dans un domaine, et qu'est-ce que vous en avez appris? Quelle prise de recul vous pouvez en avoir à un instant T? Comment vous pouvez imaginer réutiliser, remobiliser vos acquis dans un domaine donné, à un moment donné, dans un autre contexte? C'est un point qui est important. Capacité d'analyse, de créativité, là encore, en fonction des postes, c'est plus ou moins critique. Parfois, c'est central, parfois, c'est complémentaire, voire secondaire. Puis, résolution de problèmes, qui peuvent être des problèmes demeurant très basiques ou des problèmes nettement plus complexes, là encore, ça dépend de la situation. Et donc, la méthodologie, on voit bien que c'est quelque chose, pour le coup, qui peut s'acquérir à travers des formations, d'auto-apprentissage. Les compétences personnelles et les compétences sociales, on voit bien que c'est quelque chose, par contre, qui nous est plus propre, mais qui est aussi quelque chose qui n'est pas totalement, là encore, loin s'en faut, inné, qui s'acquiert beaucoup avec l'expérience et un peu aussi quand même avec la formation. Je reviendrai là-dessus. Alors, je pars d'un constat, d'une enquête qui est réalisée justement par l'Observatoire des métiers du futur, qui a publié ce livre blanc. Et vous voyez, sur un échantillon de 268 répondants en activité, en emploi, à la question selon vous, pour quelles raisons les soft skills deviendraient importantes, donc ces compétences dans le futur, la grande majorité des gens dit que ça sert à évoluer dans un monde en changement profond.
Vous avez des termes clés, hein, incertitude, changement, transformation, nouvelles technologies, évolution aussi finalement de la société, des besoins des individus, hein, des clients, des usagers, des entreprises. Hein, donc, des mutations qu'il faut être capable, en tout cas au moins de comprendre et dans la mesure du possible de s'y adapter. Le constat que les compétences techniques, on va le voir, sont toujours évidemment importantes dans beaucoup de métiers, voire vitales, mais ce n'est pas suffisant. Être un très bon expert, un très bon technicien, une très bonne technicienne est une condition souvent nécessaire à l'exercice d'un métier, mais pas forcément suffisante. On verra qu'il y a des questions de s'intégrer dans une équipe, notamment, arriver à travailler en collectif, voire même en mode collaboratif, être capable aussi de comprendre et de respecter un certain nombre de codes, de normes, souvent informelles. Donc, être attentif, hein, voilà. Ce que nous disent aussi, alors un peu moins de personnes, mais quand même un nombre significatif, c'est que les soft skills constitueront l'apanage de l'humain dans un monde effectivement qui s'automatise de plus en plus jusqu'à nouvel ordre. Ce qui fait qu'on est encore non remplaçable dans de nombreux métiers, c'est la capacité d'empathie, de contact humain, de compréhension fine d'un certain nombre de phénomènes qui sont difficilement enfermables jusqu'à nouvel ordre dans les algorithmes. Et on voit bien que même dans le domaine de la relation client, par exemple, on hésite beaucoup entre digitaliser, comme on dit, automatiser, mettre à distance, mais aussi garder des points de contact, avoir des contacts humains, des interactions humaines et une expérience client qui ne se résume pas à être face à des terminaux mobiles ou à des écrans. Hein. Et puis, comme par définition, les métiers évoluent et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils seront dans les années, encore moins dans les décennies qui viennent pour beaucoup d'entre eux, un certain nombre de caractéristiques, hein, curiosité, capacité d'adaptation, apprendre à apprendre, sont autant hein, de qualités, compétences qui sont évidemment importantes à valoriser. Alors, pour aller très vite, hein, moi qui m'intéresse au management, c'est mon domaine de prédilection, comment conduire, organiser l'action collective finalisée, hein, voilà. Il y a un collectif au sein d'un groupe, alors une entreprise, un service administratif, une association. Ils sont ensemble au service de missions pour lesquelles ils ont été rassemblés, hein, auxquelles ces missions, évidemment, ils adhèrent fondamentalement plus ou moins, mais en tout cas, ils ou elles sont présentes pour, à leur niveau et dans leur sphère d'activité, de responsabilité, contribuer à les mettre en œuvre. Et donc, pour répondre à ce comment, on a toute une partie technique et outils, la partie classique, hein, être capable d'utiliser des outils qui aident à planifier, organiser, diriger, contrôler. Et là, on est souvent dans des domaines du hard skill, hein, c'est-à-dire la maîtrise de connaissances en situation et surtout d'outils divers et variés. Alors, de façon complémentaire, mais connexe, avoir des connaissances théoriques, livresques, peut aider à mieux situer justement les outils, mieux analyser un contexte et une situation. La compréhension de certaines méthodes qu'on applique peut aider aussi à d'autant mieux les appliquer de façon pertinente. Mais surtout, les situations de management, que l'on soit manager et ou manager, hein, en tout cas lorsqu'on est dans un collectif, c'est une question de savoir-faire, de comportement en situation. Forcément, toujours les mêmes comportements dans toutes les situations. Question d'expérience, capacité relationnelle, imagination, style. On voit bien que cette question qui relève de l'art et de l'artisanat est à 80% hein, du domaine de ce qu'on appelle les compétences transversales ou soft skills. Et puis, il y a la question aussi de ce que vous êtes, hein, vos valeurs et leur résonance plus ou moins forte avec celle de la profession, de l'entreprise, de l'environnement professionnel dans lequel vous vous situez. Valeur de service public, valeur de service client dans d'autres domaines, valeur aussi et conviction personnelle. Et puis parfois, vous avez aussi des normes professionnelles qu'il faut comprendre, qu'on appelle déontologie, et qui s'imposent aussi à de nombreuses professions sur la confidentialité, sur la neutralité, sur tout un tas de caractéristiques qui, pour être comprises et utilisées de façon éclairée, supposent justement de mobiliser des compétences, là encore, qui relèvent de ce qu'on a appelé soft skills. Alors, deux exemples sur lesquels je ne vais pas épiloguer. Une fiche de poste que j'ai reçue pas plus tard qu'avant-hier pour l'un ou l'une de mes étudiantes de Master 1 en alternance. Voyez. Et quand on regarde le profil pour un poste de chef de projet, on voit autonomie et rigueur, soft skills, sens aigu de l'organisation, petit mélange, mais enfin c'est assez large
pour qu'on soit plutôt dans l'ordre de la capacité à s'organiser par soi-même et à comprendre ce qu'on attend de nous. Aisance rédactionnelle, vous voyez qu'on est sur quelque chose de plus, on va dire, intermédiaire, hein, mais il y a aussi des capacités de synthèse, et puis il y a la technique orthographique, la capacité à écrire de façon claire, précise, un minimum aussi de sens esthétique dans les présentations. Bon relationnel, parce que bon, on est dans un poste d'interface, hein, où on a plein d'acteurs divers et variés, dans les rapports humains, soft skills. Alors, autorité naturelle, c'est un peu, c'est un terme qui m'a laissé un peu perplexe, mais en tout cas, une capacité à être crédible quand bien même vous avez 21 ans et que vous allez vous adresser à des personnes qui ont bien plus d'expérience que vous, il va falloir trouver le bon ton et la bonne posture, mais bon, c'est une autorité très particulière. En disponibilité, là, on est plutôt, là encore, de l'ordre de, non pas de, du soft skills, mais de la capacité à organiser son temps correctement. Alors, désir d'accroître ses compétences et connaissances, et, bah, apprendre à apprendre, curiosité, hein, voilà. Culture de l'engagement, alors, on est en plein on a un système de valeurs, on veut des gens qui comprennent les missions, alors qui sont des missions de service public, par ailleurs, en plus, et qui, eh bien, après les avoir bien comprises, y adhèrent et y mettent le meilleur d'eux-mêmes, hein. Et puis, quand même, appétence pour les technologies mobilisées lors des projets nécessaires, sans plus. Et donc, vous voyez que c'est dans un deuxième temps qu'on va essayer de voir, justement, si le numérique est quelque chose qui, pour vous, est un peu parlant, et si vous avez envie de vous approprier un minimum d'aspects techniques pour pouvoir dialoguer quand même avec des personnes qui peuvent être parfois des spécialistes du domaine numérique dans le domaine technologique. Et puis, un élément clé qui n'est pas du tout du domaine du soft skills, le permis B, hein, parce qu'il y aura des déplacements. Là, vous avez un poste qui est plutôt destiné à des étudiants qui sortent 2 ans après du master. Et là, vous voyez qu'on a un équilibre quand même nettement plus important, puisqu'on recrute quelqu'un sur un poste de consultant très autonome. Et on voit que dans la formulation du poste, on s'attend à ce que là, vous n'ayez pas tout ça, mais que vous ayez déjà développé des connaissances, compétences, maîtrises dans du domaine technique, voyez, architecture technique et fonctionnelle, plutôt environnement numérique, management des données, voilà. Alors, RGPD, déjà, si vous ne savez pas ce que c'est RGPD, vous pouvez vous dire, mince, c'est peut-être pas pour moi. Donc, c'est la réglementation de protection des données. Une méthode très concrète, hein, de lead management, appliquée au système d'information, du management de projet, des connaissances dans le domaine du management du changement, et puis alors après, on rentre dans des choses, fusion-acquisition, modélisation de sites. Vous trouverez rarement quelqu'un de junior qui, bien évidemment, maîtrise tout ça. Pas du tout. Ce qui est sous-entendu, c'est qu'on apprécierait fortement que vous ayez déjà été confronté à ce genre d'environnement et que vous ayez déjà manipulé, voire même que vous maîtrisiez certains aspects, c'est quand même un junior, hein, ou une junior de ces domaines. Voilà. Par contre, après, vous voyez, communicant, rigoureux ou rigoureuse, organisé, à l'aise dans des environnements difficiles et challengeant, donc ça donne un peu le ton, hein, sur l'environnement de travail, avec un anglais professionnel, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et là, par contre, on est dans le domaine d'une compétence linguistique qui est importante, puisque on ne peut pas préjuger de la langue de travail à un moment donné dans cet environnement. Voilà. Et puis, on revient encore quand même un peu à une forme de soft skill, c'est la curiosité, ouais, attrait pour la découverte de nouveaux domaines et de nouveaux environnements, et capacité d'apprentissage de nouveaux outils et méthodes. Donc, envie, là encore, d'apprendre, de s'adapter et d'en tirer les enseignements. Donc, voilà, 2 offres d'emploi qui sont à 2 spectres des étudiants que je forme, hein, pour des débutants qui n'ont pas encore commencé la formation et pour des gens qui en sortent, où on voit quand même que la dimension soft skills, hein, est assez centrale, même si elle n'est pas, loin s'en faut, isolée. Alors, autre résultat de l'étude donc, de ce livre blanc, on a interrogé donc des personnes sur leur parcours. Là, c'est des étudiants, en l'occurrence. C'est à peu près 170 étudiants. Et est-ce qu'on leur a parlé des soft skills? On leur dit oui. D'ailleurs, il faut les mettre en avant, hein, à 60% donc dans le processus de recrutement. Pour la moitié, ils ont retenu qu'on leur avait dit effectivement que c'était indispensable pour qu'ils réussissent en entreprise. Pour un peu moins de la moitié, ça allait concourir à leur réussite dans un processus de recrutement, même si le diplôme dans certains domaines, l'expérience professionnelle, la maîtrise d'outils, hein, et la démonstration qu'on a des réalisations telles qu'on les présente dans son CV, notamment, évidemment, sont totalement centrales. Mais on va quand même aussi tester dans les entretiens, et nous-mêmes on le fait quand on recrute des candidats, aussi bien des
collègues ou collaborateurs à l'université que les étudiants, eh bien, leur capacité à s'intégrer dans un groupe, à être curieux, à avoir un relationnel qui sera constructif, qui peut prendre des styles très différents, mais qui ne va pas aller immédiatement vers des postures, on va dire, frontalement conflictuelles ou stériles. Et on va essayer de tester ça. Et ce n'est pas une science exacte, hein, loin s'en faut, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comment on essaye de préparer nos étudiants à ça? Vous voyez, comme je vous disais, les soft skills, c'est avant tout une question d'expérience, avant tout une question de vécu. C'est une question aussi de capacité à tirer des enseignements, justement, de ces expériences personnelles. On peut malgré tout accompagner des gens en formation via des dispositifs de formation qui vont viser à au moins stimuler et simuler des situations où ce sont notamment, mais pas que, hein, certes des outils, des méthodes de diagnostic, d'analyse, mais aussi des capacités à agir qui vont être testées. Donc, bon, les études de cas, là, on est sur quelque chose d'un peu en retrait, mais on contextualise la mobilisation de connaissances de façon plus directe, des mises en situation, hein, mener un entretien de recrutement, gérer un conflit avec quelqu'un qui va simuler un très très fort mécontentement, ça peut être un client, un usager, ça peut être un collègue, hein, dans le cas d'un groupe projet où on est en désaccord total sur une décision, des simulations, peuvent être un peu sophistiqués, hein, ce qu'on appelle souvent les serious games. Hein. Voilà, pendant une journée, vous êtes à la place d'une équipe projet et puis vous avez un programme en général bien fait qui vous met en situation virtuelle de devoir gérer tout un tas de problèmes, de surprises, d'aléas qui vont se présenter à vous et qui vont vous amener à prendre des décisions en collectif, en groupe projet, avec à la fin un bilan sur le résultat en termes de qualité coût délai, mais aussi motivation pour votre équipe. Et ça vous permet, là encore, de prendre un peu de recul sur une expérience quelque part à bloc, hein, c'est-à-dire où vous n'avez aucun risque, contrairement à la situation réelle. On met aussi les gens en situation de gérer des projets collectifs et donc d'avoir à co-construire un cahier des charges, travailler en groupe sans aucune relation hiérarchique, avec uniquement des directeurs de programme qui arbitrent quand c'est nécessaire, et puis des livrables hein, qui peuvent prendre la forme d'outils, d'événements, accompagner une association, une ONG dans un projet particulier via des levées de fonds et via des actions plus concrètes. Bref, des choses qui mettent les gens en situation de façon, on va dire, continue sur toute l'année de formation, voire les 2 ans parfois de formation, et qui leur apprennent réellement à, là encore, simuler la vraie vie. Hein, pareil. Des séminaires internationaux pour vivre des expériences un peu interculturelles et d'expatriation, même si ça reste là encore forcément limité, puisqu'on est dans un cadre qui est quand même connu. Et puis globalement, au maximum, une capacité à développer un travail réflexif sur les acquis, aussi bien de la formation, mais surtout du stage ou de l'alternance, ou de la vie professionnelle lorsqu'on est dans le cadre d'une VAE, par exemple, puisque c'est bien cette capacité de réflexivité qui est un élément important. Puis là, vous avez un nuage de mots, j'ai repris finalement des mots-clés que l'on utilise quand on décrit ce qu'on attend en termes de compétences et ce qu'on développe aussi en termes de méthodes au sein d'un master comme celui dont je m'occupe, mais qui n'est pas du tout un cas isolé, loin s'en faut. Et vous voyez quand même qu'il y a des mots-clés communiquer, collaborer, il y a une dimension internationale en master qu'on trouve un peu moins parfois avant, qui sont omniprésents. Donc, voilà. Enfin, dernier exemple, hein, avant de céder la parole à ma collègue, un exemple de module de formation que nous sommes en train d'opérer pour une grande entreprise semi-publique, c'est de prendre des personnes qui sont en situation d'animer des équipes de techniciens, sans être eux-mêmes d'ailleurs des cadres. Le constat de l'entreprise, c'est de dire, voilà, on les a formés en amont, mais concrètement, ils rencontrent un certain nombre de difficultés à jouer le rôle qu'on leur donne, étant entendu qu'ils n'ont pas de responsabilité hiérarchique vis-à-vis de leurs collègues, mais une responsabilité d'activation, d'animation, d'accompagnement qui est un registre justement qui est de l'ordre d'un ordre différent de l'ordre habituel, surtout dans une entreprise qui a une tradition verticale extrêmement forte. Donc, eux-mêmes d'ailleurs sont managés de façon relativement classique par une hiérarchie qui dirige des services et des sites, et cette même hiérarchie est managée de façon relativement classique là encore par une direction régionale qui elle-même répond au niveau national. Vous voyez, un système assez vertical, mais on se rend compte que le vertical a ses limites, notamment sur le terrain, et on demande donc à des entités de formation, ça aurait pu être nous, ou Demos, Segos, ou une autre, de les accompagner. Alors, sur des domaines qui peuvent relever de la méthode et de la technique, la posture managériale, donc de l'analyse, comprendre des rôles, comprendre le fonctionnement, cartographier, vous voyez, on est sur des choses là assez classiques
d'analyse et de compréhension d'un contexte de travail, mais très rapidement, quand vous regardez les autres modules, maîtriser la communication interpersonnelle, développer la confiance en soi. Car quand on n'avait pas des galons, des grades, ou même une expérience indiscutable, et qu'on vous met en responsabilité, il va falloir essayer de réfléchir un peu sur comment vous pouvez asseoir votre légitimité, comment aussi vous pouvez parler en public sans perdre vos moyens, sans être en surstress, sans paniquer dès qu'il ne se passe pas exactement ce que vous attendiez. Là aussi, hein, ce n'est pas à travers une formation que par miracle, on va transformer les personnes en communiquant sur d'eux, loin s'en faut, mais on essaye justement de les aider à apprendre de leurs propres expériences, y compris lorsque parfois elles peuvent être un peu douloureuses, l'essentiel hein, étant justement de rebondir et d'en tirer des enseignements. Voilà. Et donc vous voyez, question de leadership, de style, de gestion de conflit, cohésion d'équipe, négocier, autant de, là encore, de choses qui sont au carrefour entre des techniques, mais qui ne peuvent pas s'appliquer de façon mécanique, hein, et c'est bien à la fois une compréhension fine des autres, de l'autre quand on est en tête-à-tête, de soi-même, et d'un contexte singulier, avec un recours à un certain nombre de méthodes qui peuvent aider, mais qui en elles-mêmes, évidemment, ne suffisent pas à résoudre des situations souvent complexes et d'incertitude. Voilà. Donc voilà un peu les idées clés que je souhaitais vous faire passer par rapport à mon domaine de compétences, et donc je peux céder la parole à ma collègue. Alors, juste avant de laisser la parole à Philomène, nous avons une petite question d'Aurélien qui nous dit « Peut-on faire la différence avec nos soft skills sur un poste où nos compétences techniques sont insuffisantes ?» Alors, si l'essentiel de ce qu'on attend de vous est une maîtrise technique, une qualité dans le traitement des dossiers qu'on vous confie ou dans le fait de réparer, par exemple, un transformateur électrique ou un véhicule, peut-être qu'on sera plus patient avec vous, mais si le cœur de votre activité, c'est quand même d'avoir une excellente maîtrise technique et d'arriver à livrer à un moment donné une prestation qui techniquement soit irréprochable, ça va quand même à un moment donné pas suffire. Sauf si on s'aperçoit que finalement, vous avez un vernis technique suffisant pour à un moment donné pouvoir animer, activer, encadrer des personnes dont ça va être réellement le cœur de métier, et de votre côté, par contre, des capacités à convaincre, des capacités à communiquer, des capacités à résoudre des problèmes, notamment humains, au sein d'une équipe, eh bien, vous vous identifiez comme étant probablement plus apte à assurer une fonction d'animation ou de management qu'une fonction centrée justement sur l'acte technique. Et d'ailleurs, le drame dans beaucoup d'organisations, ça a été de dire, on va nommer manager ou à des fonctions de responsabilité des personnes qui ont particulièrement bien réussi dans leur expertise technique. Ça pose deux problèmes. Un, vous pouvez être excellent techniquement et ne pas être excellent du tout dans le fait d'avoir justement d'autres registres d'action, de vous sortir de votre domaine et de devoir gérer des gens finalement et des problèmes, souvent, quels que soient les gens, hein, que ce soit des clients ou des collègues ou des collaborateurs, donc, premièrement. Et deuxièmement, c'est parfois se priver aussi de quelqu'un qui est excellent dans son domaine et parce qu'on n'a pas d'autre moyen pour le faire progresser dans l'entreprise, lui confier une position de manager qui va finalement donner satisfaction à personne. Il ou elle ne fera pas très bien son boulot, va mal le vivre et l'entreprise va se priver de quelqu'un qui, par contre, qui était un ou une experte. Donc là, quand j'ai travaillé pendant 6 ans au ministère de l'Équipement, ministère de l'Équipement et des Transports, dans des services techniques justement, où il s'agissait de faire monter des techniciens à des fonctions de manager ou à faire sortir des ingénieurs d'expertise purement technique pour les amener à diriger des services ou des bureaux, il y avait un vrai sujet. Et comment faire pour que finalement, des très bons experts qui ont envie de rester experts puissent continuer à avoir une évolution salariale, mais aussi de carrière dans l'entreprise, sans avoir besoin d'abandonner finalement et de faire le deuil de leur expertise pour passer manager. Et réciproquement, comment identifier des personnes qui peuvent être techniquement finalement pas toujours au niveau qu'on le souhaiterait, mais qui ont un vrai potentiel par contre, au regard de ce qu'on a identifié comme compétences transversales, pour animer, activer, diriger éventuellement même des équipes de techniciens. Voilà. Et donc, dans l'entreprise pour laquelle on travaille en ce moment, là, on voit bien que les personnes qui sont devenues animateurs de techniciens, qui sont des gens qui, pour certaines, manifestement avaient une bonne maîtrise, mais à un moment donné, ils voulaient passer à autre chose. Donc, il y avait un choix délibéré de dire, voilà, je répare des trucs depuis des années, je déploie des machins depuis des années,
je suis peut-être moyen, pas très bon ou excellent, mais j'ai envie de faire autre chose. Et on m'en donne la chance parce qu'on a identifié chez moi, justement, eh bien, cette capacité. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. C'était clair, hein, tout à fait. Il vous remercie, Aurélien. C'est Merci. à vous, Philomène. Ah, je n'entends plus rien. Vous avez éteint votre micro. Ah, pardon. Alors, attendez, voilà, attendez, il faut que je change d'interface. Est-ce que là, vous m'entendez? On vous entend très bien. Super. Ben, écoutez, bienvenue à tous et à toutes. Ma conclusion pourra apporter une réponse similaire à Aurélien. Donc, ça sera intéressant, effectivement, de voir que nos deux points de vue se complètent vraiment extrêmement bien. Pour me présenter, donc je suis Philomène Jodot-Letiès, la directrice pédagogique de l'organisme de formation qui s'appelle Excellence Formation, qui a pour particularité d'accompagner les agents du secteur public et du secteur associatif dans le développement de leurs compétences managériales, en particulier dans toutes leurs compétences aussi de communication, de relations et dans tout leur potentiel personnel et professionnel via des modules de développement personnel. Pour faire simple, grosso modo, on forme sur les soft skills et nous avons aussi une marque dédiée aux particuliers avec un catalogue de formation éligible CPF qui s'appelle Skills for You, à retrouver si cela vous intéresse sur le site qui est cité ici. Je vais donc pouvoir m'appuyer sur mon expérience pour vous parler un petit peu des soft skills et de la façon dont elles sont attendues par ces différents secteurs d'emploi. Ça a été très bien expliqué, donc c'est un rappel très rapide. Quand on parle de soft skills ou de compétences douces, on parle vraiment de toutes ces aptitudes, ces qualités, les valeurs aussi, ça a été cité par M. Chaumienne et c'est très important, qui ne sont voilà, ou des compétences liées à la personnalité, comme la rigueur, le sens de l'organisation, qui ne sont pas liées à des compétences purement techniques. Voilà. En gros, on parle bien de l'ensemble des aptitudes et compétences qui nous permettent d'évoluer dans la vie professionnelle et personnelle et qui nous différencient, entre guillemets, de nos collègues avec qui on peut partager des compétences techniques, par exemple. Une chose qui est très importante et pourquoi on parle aujourd'hui des soft skills, c'est aussi parce que l'environnement professionnel se transforme, se modifie. On a en particulier un développement du télétravail et du management à distance qui fait que plus que jamais, on a besoin de mieux collaborer, mieux communiquer, mieux être à l'écoute les uns des autres pour pouvoir atteindre nos objectifs personnels et collectifs. Du coup, les soft skills sont vraiment au niveau, à un niveau très attendu par tous les employeurs, quel que soit le secteur d'activité. Par rapport au secteur d'activité, effectivement, que ça soit le secteur privé, je suis aussi un représentant du secteur privé puisqu'on est un organisme de formation privé, donc on recrute régulièrement, le secteur associatif et le secteur public sont des secteurs qui, bien évidemment, sont très sensibles aux soft skills et je vais aussi vous montrer où trouver ces informations-là pour pouvoir bien vous orienter dans votre recherche d'emploi, en particulier pour tout ce qui concerne le secteur public. Petite parenthèse, hein, les soft skills vont permettre de mieux vous adapter aux mutations du travail, de mieux vivre les changements, parce que ce n'est pas le tout de bien exécuter son travail, c'est aussi important de pouvoir avoir suffisamment de confort pour bien vivre les changements qui sont les transformations qui sont vécues par les entreprises aujourd'hui. Ça doit nous permettre de bien collaborer, de bien communiquer, d'interagir en situation professionnelle. Donc c'est vraiment essentiel et ces compétences sont tout à fait attendues. Comme je vous l'ai dit, nous travaillons principalement avec le secteur public et nous avons une large partie de notre activité qui s'oriente autour de la préparation au concours et donc la préparation des candidats qui souhaitent intégrer le secteur public ou évoluer au sein du secteur public. Dans cet petit rappel, effectivement,
On va avoir tout simplement des concours externes hein, qui vont vous permettre de devenir fonctionnaire. Et on va avoir aussi un certain nombre de concours qui vont être ouverts sur lesquels on va avoir besoin de faire, par exemple, un CV, une lettre de motivation, si on veut postuler pour un CDD. Et il y a aussi certains recrutements sur le concours sur lesquels un CV, une lettre de motivation peuvent tout à fait suffire. Quand on parle de CV, de lettre de motivation, et quand on parle d'entretien face à un jury, on va forcément venir parler de soft skills. Ça c'est vraiment important par rapport aux attentes des employeurs publics. Pour être très clair et pour bien vous expliquer comment se déroule un recrutement dans le secteur public, il y a deux temps clés. Sur la diapo suivante, vous pourrez voir, il y a une première phase qui est la phase d'admissibilité. Donc là, vous allez envoyer votre CV, votre lettre de motivation, votre dossier de candidature. C'est une première étape. Si votre dossier est validé ou si vous réussissez l'épreuve écrite qui est assortie avec votre concours, vous allez pouvoir déjà donner un maximum de chances de votre côté. Ensuite, vous avez une deuxième étape, comme dans tout le processus de recrutement, qui est une épreuve qu'on appelle d'admission dans le secteur public, qui est tout simplement un entretien avec un jury dans lequel vous allez présenter votre parcours, votre positionnement et vos motivations à obtenir soit un CDD, soit à entrer dans la fonction publique. La question essentielle, qui est vraiment une question très importante, ça va être de savoir comment se différencier. Finalement, quand on est dans un concours ou quand on postule sur un poste, on est forcément en concurrence avec des gens qui, a priori, comme nous, cochent les cases en termes de nombre d'années d'expérience, en termes de diplôme, en termes d'âge minimum ou maximum, si jamais il y a des conditions d'âge. Il y a forcément un panel de candidats qui vont répondre aux aspects un petit peu génériques du cadre du concours. Il faut un niveau Bac plus 3, j'ai un niveau Bac plus 3. Il faut au minimum tel âge, j'ai au minimum tel âge. Voilà, on a déjà un contour administratif dans lequel on vient s'inscrire. Mais du coup, ça, c'est pas différenciant. Tous les candidats qui sont éligibles à se présenter vont avoir des caractéristiques communes. Pour réfléchir à vraiment comment bien se différencier dans le cadre d'un recrutement dans la fonction publique, ce qui va être très important, c'est de comprendre que face à vous, vous allez avoir un jury qui a des attentes très précises. Sur tous les sites des administrations, vous allez trouver quelque chose de précieux, ça s'appelle des rapports de jury des années précédentes. Un jury se réunit, prépare des sélections, sélectionne des candidats, et rédige un rapport. Dans le rapport, vous allez systématiquement retrouver les critères d'évaluation des candidats, l'avis porté de façon très globale sur les résultats des candidats aux épreuves écrites et aux épreuves orales. On a des mines d'informations, je vous ai donné, vous verrez dans les pages d'après, j'ai fait quelques exemples, on a des mines d'informations pour nous donner, pour aller chercher des axes de différenciation sur les soft skills. Si je postule pour pouvoir intégrer, par exemple, le ministère de la Justice et que j'ai une licence en droit, je suis très contente parce qu'effectivement, je veux postuler en catégorie A, j'ai ma licence de droit, j'ai de l'expérience, etc. C'est très, très bien. Mais qu'est-ce qui va me différencier en plus des autres candidats? Et bien ça va être indiqué dans les rapports de jury. Ça va être indiqué aussi dans d'autres, je reviens un tout petit peu sur la slide précédente, Monsieur Chaumienne, on a deux autres points qui vont bien nous différencier. C'est d'abord, une fois que j'ai lu le rapport, c'est de comprendre ce qui est aussi attendu dans le corps et dans le grade dans lequel on postule. Ça veut dire qu'il faut vraiment chercher les fiches de poste, chercher les statuts, chercher les arrêtés d'organisation qui sont des pièces clés sur les que vous allez trouver très facilement en libre accès sur Internet. Et à partir de là, vous allez de nouveau trouver des critères dans lesquels vous allez voir ce qui est attendu d'un agent qui postule pour un concours de catégorie A ou de catégorie B dans tel corps ou dans tel grade. Et c'est enfin se différencier, c'est vraiment travailler avec méthode en essayant de se dire « j'ai identifié les attentes de mon jury, maintenant il faut que j'aille cocher les cases et que je me dise « ça je l'ai, j'ai toutes les compétences techniques, mais j'ai toutes les autres compétences ».
Donc, on va regarder ensemble deux exemples que j'ai tout simplement trouvés dans des rapports de jury et des arrêtés, sur lesquels, vous allez voir, on a quelques informations qui sont très nettes. Je vous ai mis, par exemple, là, ici, en violet, ce qui va relever de l'ordre du soft skills, et je vous ai mis en vert, ce qui va relever plutôt de l'ordre de la compétence technique. Voilà. Alors là, on est sur un extrait de la description d'une épreuve sur un concours externe de niveau technicien, donc c'est un niveau catégorie B, Bac plus 2. Sur une épreuve orale, par exemple, l'épreuve orale débute par un exposé du candidat, présentant sa formation et le cas échéant son parcours professionnel, le cas échéant. Je peux ne pas avoir de parcours professionnel et candidater en sortie d'études. Et m'appuyer sur mon expérience associative, sur mon expérience personnelle, sur mon expérience en tant qu'étudiant, comme l'a précisé tout à l'heure M. Chaumienne. Et ensuite, il y a un échange avec le jury pour mettre en évidence. Et c'est là où on a des mots-clés. Les aptitudes du candidat à la communication, ses capacités de réaction, ses motivations, sa représentation des métiers. Je ne connais pas le métier, mais j'ai une représentation dans un environnement, donc il faut que je me projette. Son sens du service public, M. Chaumienne a bien parlé des valeurs tout à l'heure. Sa capacité à mettre en pratique ses connaissances théoriques. Donc, on demande des connaissances théoriques, mais ce qu'on demande, ce n'est pas d'avoir la connaissance théorique, c'est de dire, puisque je sais quelque chose, comment je réagirais dans telle situation professionnelle. Ce que M. Chaumienne expliquait tout à l'heure en disant, on fait des mises en situation et on pose des questions sur que ferait le candidat face à telle situation dans son équipe ou dans telle situation de travail. Encore la capacité à se comporter dans l'environnement professionnel. Donc, tout ça, c'est vraiment très, très important parce que là, derrière chacun de ces mots-clés, on va avoir des critères d'évaluation des candidats. Ce sont les critères d'évaluation des candidats. Et derrière chacun de ces critères, ça va être à nous de faire un effort d'analyse et de se dire, d'accord, bah, le jury qui est en face de moi, il attend que j'ai des aptitudes à communiquer, que j'ai des capacités de réaction. D'accord, comment je le prouve, comment je le montre. Je vous proposerai un petit peu plus tard de voir des tableaux un peu schématiques, synthétiques, sur lesquels je travaille quand on accompagne des candidats qui préparent ces concours. Un autre exemple encore sur un extrait de rapport de jury, toujours pour un concours de catégorie B de technicien. Et là, c'est très clair, le jury évalue l'aptitude à communiquer, les connaissances techniques et l'aptitude à les mettre en pratique. Donc, ça sera très rarement même des questions simplement de théorie. Ça sera plutôt des questions avec un sens pratique, comment j'utilise ma connaissance dans mon environnement. Le comportement, pareil, en situation professionnelle. Et là, on met bien en avant, toujours en violet, la capacité du candidat à travailler en équipe, son aptitude à l'encadrement, ses comportements d'organisation. Donc, de nouveau, des soft skills. Ses qualités personnelles, et parmi lesquelles on parle de la motivation, de la fiabilité, de la loyauté. Monsieur Chaumienne parlait tout à l'heure de la déontologie propre à certains métiers. C'est le cas ici, déontologie des fonctionnaires, fiabilité, loyauté, c'est un exemple. De la capacité du candidat à se projeter dans un autre environnement, puisqu'il ne connaît pas le secteur public, il faut bien qu'il imagine un petit peu comment ça va se passer. Ainsi que sa capacité d'adaptation et sa capacité à être force de proposition. Donc là encore, capacité d'adaptation, capacité à être force de proposition. Je vais intégrer la fonction publique, donc je n'ai jamais été dans cet environnement. Mais j'ai bien connu des changements dans ma vie, j'ai bien connu des moments où j'ai dû m'adapter, faire des propositions, que ce soit dans du travail en équipe, à l'université, dans une association, dans un job étudiant, dans un job tout court. Donc c'est tout ça sur lequel il faut réfléchir pour arriver à ressortir tout ce qui va intéresser le jury, des choses qui peuvent vous paraître anodines, mais qui vont vraiment faire la différence quand vous allez présenter votre candidature et soutenir votre candidature. Ce sont effectivement deux exemples et qui soulignent le fait que, par exemple, postuler sur un concours externe sur la fonction publique, ce n'est pas simplement être tranquille parce qu'on a le niveau d'études, le diplôme qui est vraiment tout à fait en cohérence, qui est tout à fait attendu par rapport au poste, ça c'est bien, c'est très bien, mais tous les candidats vont avoir ça. C'est vraiment le travail sur tous les autres petits aspects
toutes les compétences là qu'on a mises en violet, les soft skills, qu'il va falloir venir travailler et sur lesquelles il va falloir réfléchir. Donc, si vous voulez rédiger un CV, une lettre de motivation ou préparer un entretien avec le jury, vraiment, ça va être de ce qui va faire la différence, c'est de travailler sur vos soft skills. Je vous donne un exemple avec un premier tableau, un tableau très classique, entre guillemets, très classique pour nous, dans notre façon de travailler avec les candidats. L'idée, c'est vraiment de réfléchir en se disant, par exemple, là, je vais vous parler d'un poste que je connais plutôt bien. Un poste de catégorie B toujours, technicien de recherche dans des environnements comme le CNRS, l'INRA, l'INRIA, l'université, sur lequel on va demander, donc poste de catégorie B toujours, sur lequel on va avoir par exemple ici trois grandes missions principales. L'idée, c'est vraiment de vous dire, je postule, il y a forcément des fiches de poste, des référentiels ou des attendus par rapport au poste général, même si c'est un corps très large. Ça veut dire que vous allez pouvoir identifier des grandes missions qui sont susceptibles d'être confiées à un technicien. Peut-être que ça ne sera pas exhaustif, peut-être qu'il n'y aura pas toutes les missions, parce que des fois, vous allez postuler sur un poste, mais des fois, vous allez postuler de façon beaucoup plus large pour rentrer dans un corps. Quand on rentre dans un corps, on n'a pas forcément encore son affectation et on n'a pas encore forcément un poste fléché. Donc, les recrutements sont assez larges sur des compétences très larges. Ce qui veut dire que ça va être à vous d'imaginer et de faire ce travail en se disant, OK, par exemple, si je veux être technicien de recherche dans un environnement, dans un établissement de recherche, qu'est-ce qui pourrait m'être confié comme principale mission? Là, j'ai fait un cas classique. En règle générale, un technicien de recherche dans un laboratoire, il va avoir trois grandes missions. La première mission, ça va être de réaliser les expérimentations sous la responsabilité d'un chercheur. C'est lui qui, entre guillemets, est la personne opérationnelle au niveau du laboratoire. Ça veut dire que si c'est la personne opérationnelle au niveau du laboratoire, si c'est lui qui réalise les manipulations, c'est lui aussi qui est garant, en termes de responsabilité, de la fiabilité, de la reproductibilité des résultats. Donc c'est un poste à responsabilité. Pour pouvoir faire des expérimentations, on a besoin d'appareillage. En règle générale, le technicien de recherche en laboratoire, il est responsable de l'appareillage et il est aussi responsable du fait que les utilisateurs l'utilisent bien. Donc, sa deuxième mission, ça va être d'assurer la fonctionnalité de l'appareillage et également de la formation des utilisateurs. Et si l'appareillage nécessite des consommables, en règle générale, il gère les stocks. C'est lui qui va, de façon très simple, commander le matériel nécessaire au bon fonctionnement du labo. Voilà un peu un schéma classique sur les trois grandes orientations, trois grandes missions qu'on peut confier à un technicien de recherche. Ça veut dire que dans chacune des missions, on peut en prendre une, par exemple, la seconde mission qui sera la mission d'assurer la fonctionnalité du matériel et la formation des usagers, des utilisateurs, pardon, ça veut dire qu'on va avoir des grandes activités. Première chose, si jamais je dois remplir cette mission, il faut que je rédige des procédures d'utilisation. Il faut que je sois là. J'ai un cahier de laboratoire, donc il faut que je tienne mon cahier de laboratoire, qui vient, quand, comment, à quelle heure, pour faire quelle expérience, est-ce qu'il est prioritaire par rapport à l'autre? Parce qu'en fonction des délais d'utilisation de mon appareillage, ben, je vais avoir peut-être des embouteillages, donc il faut gérer des priorités et des arbitrages. Ça veut dire qu'il faut donc faire des plannings, ça veut dire qu'il faut former les utilisateurs, ça veut dire qu'il faut gérer des contrats de maintenance si jamais l'appareillage malheureusement tombe en panne, ça veut dire qu'il faut éventuellement être capable soi-même de réparer quelques fonctionnalités simples. Et à partir du moment où j'ai compris ces activités, je vais me dire, j'ai des hard skills, mais j'ai des soft skills. C'est sûr que en termes de hard skills, je vais avoir besoin de compétences techniques, je vais avoir besoin aussi de savoir faire un peu de gestion administrative, c'est certain. Mais pour pouvoir mener à bien cette mission, il faut aussi que j'ai un sens de la pédagogie, par exemple. Former des utilisateurs, ce n'est pas juste leur dire une fois, il y a une procédure, tu peux la lire. Bon, si ça c'est de la formation, vous risquez d'avoir beaucoup de questions et d'être beaucoup dérangé. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire un accompagnement des utilisateurs, peut-être des sessions
de formation d'initiation, de pratique, on fait pratiquer les gens, on valide qu'ils sachent utiliser l'appareillage en autonomie avant de les laisser pénétrer dans le laboratoire. C'est toujours vous qui êtes responsable de l'appareillage. Donc, s'il y a des mauvaises utilisations, ça va être compliqué. Donc, le sens de la pédagogie, il est très important, par exemple, sur cette dimension-là. La disponibilité aussi et des qualités organisationnelles. Si je ne sais pas gérer un planning, si je ne sais pas anticiper et arbitrer, j'ai deux chercheurs qui viennent me demander de faire deux études en même temps, d'accord, mais combien de temps va prendre la première étude? Combien de temps va prendre la deuxième? À quel moment je fais des arbitrages? Qui est-ce que je priorise? Si jamais je ne suis pas en capacité d'avoir un sens de l'organisation, une gestion des priorités et un bon relationnel pour expliquer qui va passer en premier dans le planning et pourquoi, je vais avoir vraiment des difficultés à gérer mon labo. Donc, dans ce poste-là, on peut se dire, bah, c'est facile, c'est technique, c'est de l'appareillage. Moi, je suis formée sur cette... j'ai fait mon cursus en biologie, je sais utiliser cet appareillage, je suis fait pour le poste. Oui, tout à fait. Mais quelle qualité vous avez à côté en parallèle et qu'est-ce qui va être attendu de la personne qui est sur ce poste? Tout le monde va avoir, le bac plus 2 ou le bac plus 3 qui va permettre d'accéder à ce concours. La différence, ça va se faire sur votre capacité à bien se dire, OK, j'ai identifié les missions qui peuvent m'être confiées, j'ai identifié les activités. Derrière chaque activité, je suis capable de dire ce qui relève du hard skills, ce qui relève du soft skills. Et derrière chaque activité en soft skills, eh ben, je vais pouvoir mettre un argument. Peut-être que vous avez déjà fait de la formation, peut-être que vous avez fait du tutorat, du suivi d'élèves, peut-être que vous avez fait plein de choses qui vont relever du sens de la pédagogie. Eh ben, ça serait intéressant à dire, même si de prime abord, vous n'avez pas l'impression que dans ce poste-là, dans ces fonctions-là, ça soit réellement attendu puisqu'on est sur un poste de technicien. Donc, cette réflexion, elle est essentielle. À chaque fois que vous allez postuler sur un emploi secteur public, il faut vraiment vous demander quelle mission on me confie, quelle activité je vais faire et du coup, de quoi j'ai besoin pour pouvoir travailler, qu'est-ce que je dois savoir faire. Quand on est dans cette dynamique-là, forcément, vous allez vous mettre dans une dynamique de réflexion, d'identification de vos soft skills et vous allez forcément mieux défendre votre candidature. Parce que là, vous allez aller me chercher des exemples sur le sens de la pédagogie, sur votre capacité à organiser les choses. Voilà, c'est très important. Sur le dernier point, par exemple, sur la gestion des stocks, bah, ça peut être intéressant aussi d'avoir des compétences en communication, en négociation. Parce qu'on va être en relation avec des fournisseurs, on a des contrats, on a des contraintes liées au contrat. Peut-être que des fois, vous allez demander un petit peu plus que ce qu'il y a dans le contrat. Donc, bah voilà, ça peut être aussi une capacité intéressante d'être en mesure bah voilà, de ne pas avoir peur de solliciter, de demander, de négocier, voilà, d'interagir avec différents interlocuteurs internes et externes. Pour faire le lien avec ma transition et ma conclusion, j'ai fait juste la diapo d'avant, c'était parfait, Monsieur Chaumienne. J'ai fait un deuxième exemple secteur privé pour que vous puissiez aussi vous projeter. Je vous ai parlé pas mal du secteur public parce que nous, c'est vrai qu'on accompagne les candidats qui se préparent à entrer ou à évoluer dans le secteur public et on les prépare vraiment à identifier toutes les soft skills qui vont mettre en valeur en plus leur candidature. Mais c'est aussi vrai dans le secteur privé, par exemple, là, je ne vous parle que ce que je connais, c'est le poste chez nous d'assistante de direction. Comme ça, c'est très simple. Ce poste est pourvu, nous avons une collaboratrice en place. Cette collaboratrice, avant, elle était responsable qualité en usine. A priori, elle vient pour faire assistante de direction dans un organisme de formation. Elle sort d'une usine, on est un organisme de formation. Elle a un diplôme d'assistante de direction, mais ça fait une quinzaine d'années qu'elle n'a pas travaillé dans le secteur. Nous, on est curieux, donc la lettre de motivation est intéressante, donc on la reçoit. Et notre mission chez nous d'assistante de direction, elle a trois grandes missions. Sa première, ça va être vraiment de travailler autour de la préparation des réponses aux appels d'offres et le dépôt des plis. Donc, c'est vraiment elle qui gère toute cette partie. Téléchargement, répartition des appels d'offres, passer, faire les pièces administratives, vérifier l'offre et déposer nos offres auprès des clients. Elle a une deuxième grande mission qui est autour du recrutement de nos formateurs, donc trouver du vivier, organiser les entretiens, donner les réponses, mettre les CV à jour, mettre les informations administratives à jour, nous assurer qu'on est en conformité par rapport à la réglementation.
Et elle a une troisième grande mission qui est plus, je vais mettre gros guillemets, plus simple, c'est la gestion de notre boîte contact, mais sur laquelle on est 20 collaborateurs, donc il faut orienter les messages vers les bonnes personnes, il faut répondre à tous les messages qui la concernent directement, il faut prendre les bonnes décisions, bien ranger la boîte, bien archiver, sinon on ne retrouve rien et c'est compliqué. Donc c'est aussi vraiment une tâche importante à part entière et vraiment quotidienne. Qu'est-ce qui fait finalement, alors cette personne, elle n'y connaissait rien au marché public, donc elle avait pas, elle cochait pas la case, hein, pour revenir sur la question d'Aurélien, elle cochait pas la case compétences techniques, a priori, connaît pas les marchés publics. Elle travaillait certes sur Excel, donc elle connaissait Excel, elle connaissait Outlook. Bon, elle avait forcément, elle maîtrisait pas nos procédures internes, elle avait jamais fait de recrutement. Sur le papier, qu'est-ce qui nous a décidé? Ça, c'est vraiment important et c'est une bonne question. Il y a deux choses qui nous ont décidé sur le choix de cette candidature. Ça a vraiment été le fait que, justement, au niveau des soft skills, elle avait bien identifié le fait que une assistante de direction était au service d'une équipe. Et c'était la posture qu'elle défendait dans son ancien travail, c'est-à-dire que le référent qualité, il était vraiment au cœur de l'équipe pour faire fonctionner l'équipe, pour travailler ensemble tous dans une notion de qualité. Donc cette posture était assez relativement naturelle et c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire qu'on a une bonne communication avec l'ensemble de l'équipe, qu'on a une bonne fluidité des informations, ce qui est essentiel sur ce type de poste. Et deuxième point qui était très intéressant, et là ça va m'emmener tout doucement vers ma conclusion, c'est ce que vous verrez sur la dernière page, c'est qu'elle était effectivement particulièrement, au-delà des soft skills, elle était effectivement particulièrement motivée. Si vous pouvez juste glisser sur la slide suivante, Monsieur Chaumienne, merci beaucoup. Voilà. Voilà, ce qui a fait la différence, hein, c'est que vraiment, elle avait des compétences, des soft skills bien, qui correspondaient bien par rapport au poste. Elle était capable de nous donner des exemples précis de travail collaboratif, de sa vision du travail en équipe, de sa posture au sein de l'équipe, de sa maîtrise de certains outils, certes, c'est aussi quand même important. Et surtout, ce qu'elle a vraiment démontré, c'était sa capacité à s'adapter à un autre environnement. Ça, c'était aussi cité dans les textes que je vous ai montrés tout à l'heure. Et elle a vraiment montré sa motivation à changer d'environnement. Pourquoi elle voulait faire ce switch total de je suis en usine je passe derrière un bureau. Qui n'est pas un switch facile, hein, parce que c'est des environnements de travail complètement différents. Et effectivement, la présentation, l'explicitation de sa motivation était particulièrement pertinente et s'est révélée très juste dans la prise de poste qu'elle a ensuite exercée. Pourquoi la motivation est importante? Et ça, c'est vraiment ma conclusion, parce que on a vu, hein, monsieur, je pense, on peut rester sur cette slide-là, c'est super. Ce qu'on a vraiment vu, c'est que les soft skills, c'est ce qui va faire la différence. Et travailler sur l'identification des soft skills attendus et être capable de trouver des exemples, c'est essentiel. Après, le deuxième axe qui vous permettra vraiment de maximiser vos chances sur les entretiens ou dans vos CV et lettres de motivation, ça va être, et ça c'est vraiment essentiel, de démontrer votre motivation. Parce que la motivation, c'est ce qui permet de passer à l'action. On a beau être compétent, si on n'est pas motivé, on ne va pas passer à l'action. Et c'est vraiment cette dimension, double dimension pour moi qu'il faut travailler, c'est identification des soft skills et une super mise en valeur de votre motivation et de votre souhait de changer d'environnement professionnel, de vous adapter, d'intégrer de nouvelles fonctions. Voilà, entrer dans la fonction publique, c'est aussi faire preuve de ces capacités-là au-delà des compétences techniques qui vont être que vous possédez déjà et que vous avez acquises via votre expérience, votre formation universitaire ou scolaire. Voilà le petit mot de la fin, soft skills et motivation. Merci Philomène pour votre intervention. Monsieur Chaumienne, vous pouvez arrêter le partage si vous le souhaitez, comme ça vous pourrez nous voir. Je ne sais pas s'il y a des questions, a priori pas forcément, donc ça veut dire que tout était clair, voilà, et je pense que vous avez balayé largement la thématique. On a bien compris ce qu'était la différence entre des hard skills, des soft skills, et voilà.
voilà ce qu'il fallait en comprendre. Donc, merci pour la clarté des informations. J'ai mis une petite dernière slide, mais vous la verrez quand vous téléchargerez. C'est juste des petites informations qui concernent le service emploi et ce qui vous est proposé au niveau du service emploi à destination des candidats et même des entreprises, puisqu'on a un portail de l'emploi qui permet aux entreprises de déposer leurs offres d'emploi et aux candidats de trouver des offres intéressantes et de postuler. Nous avons donc une chaîne YouTube qui vous permet de voir et de revoir tous les webinaires qui sont passés et ceux qui vont venir. Nous avons aussi un LinkedIn emploi qui vous permet d'avoir l'information concernant l'emploi sur le territoire. Et puis, je vous ai mis aussi notre contact. Voilà, donc écoutez, merci à tous. Ah, une petite dernière question. Alors, les formations Skills for You sont accessibles à tous? Petite question d'Aurélien. Alors, Aurélien, pour vous répondre, les formations Skills for You sont accessibles à partir du moment où vous avez un compte CPF qui vous permet de financer cette formation. Donc, n'hésitez pas à regarder sur notre site, vous verrez ce qu'on propose comme formation sur les soft skills. Et si vous n'avez pas de compte CPF, bah, faites-nous un petit mail, on essaiera de voir ce qu'on peut vous proposer, il n'y a pas de souci. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Merci, Monsieur Chaumienne et Madame Jedot, pour votre participation. Et puis, ben, je vous propose, candidats, entreprises, de nous retrouver demain pour de nouvelles aventures. On commencera à 10h pour les candidats. On vous présentera les différents contrats de travail. Et puis, en direction des entreprises, nous avons un webinaire sur l'alternance avec l'OPCO Atlas à 14h30 et puis un autre webinaire très intéressant pour les entreprises et organismes de formation dédié à Mon Compte Formation. Voilà, à 16h. Eh bien, écoutez, inscrivez-vous à ces prochains webinaires de demain. Et puis, moi, je rejoins le prochain webinaire qui est dédié aux jeunes étudiants Bac plus 3, Bac plus 4 pour les accompagner dans leur premier emploi. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.